adeptes de la bricole, amateurs de la déconne, ils sont 50 pilotes un peu fous à prendre le départ. Bah moi j'essaie de conduire, après voilà. La soirée fut dure hier. Mais bon, tout va bien se passer. À tout à l'heure. À tout à l'heure. La différence entre un adulte et un enfant, c'est la taille du jouet qui change. Donc grands enfants, grands jouets. Alors quand elle est contente et qu'elle est au départ, elle manifeste sa joie. Un brin de folie envahit les rues de Mayet. C'est le but, hein, c'est de se faire plaisir et puis de regarder un petit peu nos petits bolides. Il faut conserver des activités comme ça pour que le village vive. Dans cette course de caisse à savon, une seule règle, que le bolide possède des freins. Pour le reste, chacun construit comme bon lui semble. On a récupéré des fourches de petits vélos et puis... Pour souder. Pareil à l'arrière. Pareil à l'arrière. Et puis ça, c'est des bidons de 100 litres de garage. Faut être bricolo, oui. Là, je suis en train de récupérer un écrou de la fixation du siège pour pouvoir réparer ma direction. Avec les moyens du bord. En sachant qu'on a tout ce qu'il faut dans la voiture. Allez les gars ! Au niveau de la Sarthe, il y a 13 villages où c'est la première fois qu'ils font des courses de caisses à savon. Donc c'est vraiment un très grand engouement. Puis, comme il y a beaucoup de caisses, donc en fait on va se retrouver dans les différents villages et donc ça va être excellent. Une compétition où la victoire est presque anecdotique. Pour les participants, garder son âme d'enfant reste le plus important.